Il y a 2 ans de cela, en 2012, j'ai éprouvé le vif besoin, la nécessité d'écrire un roman qui se déroule à Bordeaux et qui évoque le passé espagnol et républicain de notre ville. Et je me suis souvenu d'une anecdote qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais 18 ou 20 ans. À l'époque, comme beaucoup de femmes et d'hommes de ma génération, je militais dans des organisations d'extrême gauche. Et parmi mes amis, il y avait une personne, une jeune femme, chère, qui était d'origine espagnole. Je fréquentais beaucoup sa famille, je connaissais ses parents. J'allais souvent dîner, déjeuner, boire des verres avec eux. Nous commentions l'actualité, on chantait, on riait. Et il se trouve que sa mère, Consuelo, qui est toujours parmi nous, qui est vivante, son père malheureusement nous a quittés il y a un an, Consuelo nous racontait très souvent, en nous préparant à dîner ou à déjeuner, que lorsqu'elle avait elle-même 20 ans, elle avait été un agent de liaison du Parti communiste clandestin et que depuis Bordeaux, il lui arrivait de passer la frontière en cachette, clandestinement, avec des dirigeants de son parti. J'ai conçu ce roman comme un roman d'amour. Un roman d'amour architecturé à partir d'une série de couples qui sont des doubles. À l'origine, en 1962, nous avons un homme et une femme de 20 ans, Rosario Santiago et François Lister. Et puis, au moment où le roman commence, nous avons le même François Lister, qui n'a plus 20 ans, qui a 73 ans. Et il va rencontrer à Bordeaux une jeune femme qui étrangement s'appelle elle aussi Rosario, mais non pas Santiago Paradis. C'est une jeune thésarde, un peu en perdition. C'est une femme sympathique, mais paumée. Paumée parce que peut-être qu'elle a connu un traumatisme, elle vit d'expédients, elle travaille dans un pipe-show. Vraisemblablement, c'est une prostituée occasionnelle. Et cette femme, elle voit en François Lister, une figure paternelle très forte dont elle s'éprend. J'ai voulu, à travers cet artifice, deux couples, l'un en 62, l'autre en 2013, j'ai voulu suggérer que l'obstacle principal à l'amour, c'était le temps. Je veux dire par là que le temps use la passion, use l'amour. C'est contre le temps que les couples amoureux doivent lutter, mais il n'y a pas seulement cela. Une rencontre doit s'effectuer au bon moment. Les Grecs avaient un terme pour désigner ce bon moment, c'était le kairos, c'est-à-dire en fait l'instant qui annule le passé, le présent et le futur, l'instant qui rend tout possible. Dans mon roman, François jamais ne rencontre une femme au bon moment. Mon personnage, François Lister, évolue à Saint-Michel, dans un périmètre circonscrit que l'on peut repérer avec facilité, entre le cours Victor Hugo et les Capucins. C'était le cœur de cette ville espagnole qui a été Bordeaux pendant 5 siècles. Bien sûr, Bordeaux, en 1960, compte 60 000 Espagnols. 60 000, c'est considérable. Un quart de la population bordelaise est espagnole. Mais depuis 5 siècles, la ville, Bordeaux, accueille les réfugiés espagnols. Depuis Montaigne, au 19e siècle, Goya, les libéraux, ceux qu'on appelait les Français, etc. Bon. J'ai voulu donc prendre le contre-pied de ce que l'on dit généralement. On dit Bordeaux est une ville anglaise. C'est vrai, notre ville est une ville anglaise. Mais tout en étant une ville anglaise, elle est aussi une ville espagnole depuis 500 ans. Et tout simplement, le quartier Saint-Michel était le cœur battant de cette Espagne bordelaise. Si bien que je me suis amusé à faire vivre mes personnages dans ce périmètre. Ils évoluent au Café des Arts. Dans les années 60-70, c'était un lieu sensible, un lieu névralgique. Toute l'extrême gauche
venez se rafraîchir, venez discuter, venez refaire le monde. Ici même, au premier étage, il y avait une salle de réunion. Absolument tous les groupes politiques demandaient à la patronne, à Michel, qui trônait à deux pas d'ici, derrière sa caisse enregistreuse, la possibilité d'utiliser la salle. Et Michel nous l'accordait, il suffisait simplement de consommer un café. On consommait un café, on avait accès à la salle. Bon, il y a ce lieu, à 30 mètres d'ici, il y avait le Guernica, qui était le point de rendez-vous des anarchistes et des anarchistes espagnols. En face, il y avait le Café Montaigne. Et puis, vous aviez la Tour Saint-Michel, la Flèche, avec les momies. Les momies qui, en quelque sorte, étaient les bienveillantes du quartier. C'est-à-dire une présence symbolique, une présence emblématique, non pas du temps qui passe, mais du fait que elles veillaient sur le quartier. Elles veillaient sur le quartier. Leur présence n'était absolument pas funeste. C'était une présence vraiment bienveillante. Oui, ce quartier était un quartier espagnol, depuis Saint-Michel jusqu'au cours de l'Isère. D'ailleurs, le cours de l'Isère, on l'appelait, c'était la route d'Espagne. C'était la route d'Espagne. Donc, vous voyez cet axe, cours de l'Isère, les Capucins, la Flèche et tout le quartier. Aujourd'hui, l'on peut se promener, il n'y a que des traces. Il n'y a que des traces. J'ai envie de dire que les pierres n'ont pas de mémoire. Les pierres n'ont pas de mémoire parce que, tout simplement, elles ne parlent pas. Alors, vous allez me dire, ce sont les hommes qui les font parler. Peut-être. Mais je crois que les pierres ne parlent pas parce qu'elles ne sont pas des signes, ce sont des traces. Et les humains que nous sommes, si nous avons de la curiosité ou si tout simplement nous avons des souvenirs, nous pouvons lire les traces et faire de ces traces des signes. C'est ce que j'ai essayé de faire avec cette histoire que j'ai racontée.